Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce point. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Les gens que vous voyez sur le corps, ici, sur tous les deux hommes, ce sont les gens riches. Ce n'est pas à discuter. Récemment, cette personne qui se trouve ici a perdu sa maman et elle a décidé de faire les funérailles grandioses pour sa mère. C'est en même temps été un bon moment pour ses amis de venir la soutenir. Donc ce monsieur a perdu sa mère et ses amis sont venus à ses funérailles pour le soutenir. Maintenant, à ses funérailles-là, vraiment, il y a eu beaucoup de boucans. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été exposés, lancés. C'est-à-dire qu'ils ont pris de l'argent pour faire le boucan, même à la fin de cette vidéo. Vous allez voir cette vidéo apparaître ici. Vous serez même choqués. Et les vidéos, les images de cet événement ont fait le tour des réseaux sociaux. Au point où les jeunes filles chic du quartier, chic du pays, ont commencé à mettre leurs yeux sur le monsieur et tous ses amis. Surtout le monsieur même, Obi Kubana. Au point où ces filles-là sont allées voir une femme qui vend les choses mystiques pour pouvoir envoûter les hommes. Elles sont allées voir cette jeune fille-là qui est sur les réseaux sociaux que nous allons voir à la fin ici. Et ils lui ont posé la question, mais est-ce qu'elle peut leur donner des choses pour pouvoir envoûter le milliardaire? Donc des filles veulent envoûter ce milliardaire-là. Et elle, maintenant, elle a décidé de faire une vidéo parce que il y a plus de 700 filles qui veulent un même homme. C'est-à-dire le plus riche parmi ces gens-là. Ah! Elles veulent envoûter le gars. Elles veulent envoûter le monsieur. Le monsieur qui est ici, là, ici, là, ici, là, ici, là. En fait, elles veulent qu'il devienne. Elle veut qu'il devienne le sugar daddy. Vous voyez, non? Le sugar daddy. Ah! Pendant que nous sommes en train de travailler dur et réfléchir sur comment faire pour avancer, il y a des gens qui aiment la facilité. Les filles chic. En tout cas, ce n'est pas mauvais d'avoir de bonnes idées. Mais les idées comme ça, où on doit envoûter quelqu'un pour pouvoir gagner un rendez-vous avec cette personne, vraiment, c'est grave. Et nous allons maintenant écouter la fille. Vous allez écouter la fille, ce qu'elle dit. C'est cette fille que vous voyez à l'écran. C'est elle qui voit les choses qu'on utilise pour envoûter les gens aux gens. Et elle a décidé de venir répondre à ces filles-là pour leur dire, vous là, vous voulez envoûter ces milliardaires-là. Vous pensez que ces milliardaires-là, ils sont riches. En tout cas, pour pouvoir les envoûter et gagner un rendez-vous avec eux, je vais vous dire en même temps, il faut d'abord briser la puissance qu'eux utilisent. Parce que la plupart de ces milliardaires-là sont bien protégés spirituellement. Est-ce que vous vous rendez compte? Écoutons là, par la langue, essayez de faire attention. So all the girls that want Obi Kubana, huh? You want to date Obi Kubana, the billionaire Obi Kubana. You want him to be yours. You want him to be your sugar daddy. Do you seriously think Obi Kubana doesn't have spiritual protection? Ouh! Elle dit, ce message est pour toutes les filles qui veulent un rendez-vous avec Obi Kubana, qui veulent juste l'envoûter et puis bon, avoir tout ça. Est-ce que vous pensez sérieusement que Obi Kubana n'a-t-il pas une protection spirituelle? Elle dit, mais est-ce que vous pensez que ce milliardaire, il n'a pas une protection spirituelle? Est-ce que vous pensez que c'est un homme simple? Écoutons la suite. I've been telling you guys this for more than 10 years. Rich people like Obi Kubana, billionaires like Obi Kubana, they have spiritual protection. Et elle dit, il faut que je vous le dise depuis, je vous dis depuis vraiment plusieurs années. Je vous dis que les milliardaires comme Obi Kubana que vous voyez là, ce sont des gens qui sont de protection spirituelle.
You can't just go and take Obi Cubana and just make him yours just like that. You think he's just sitting around waiting for you to use Jarama products on him? Huh? He's waiting for you to get Jarama products and take him away? No! Obi Cubana has spiritual protection. They all do. I've been telling you guys this for how many years now? Elle dit que Obi Cubana a une protection spirituelle. Et elle ne fait que dire ça à ses filles depuis des années maintenant. All rich billionaires have spiritual protection. Elle dit que toutes les personnes riches, tous les milliardaires que vous voyez là, ces riches personnes-là, ont des protections spirituelles. C'est-à-dire, elle est spiritualiste dans une certaine mesure. Et elle voit un peu la puissance de ces gens. So, if you want to penetrate them, you have to break the protection, you know. Et elle dit que si vous voulez vraiment les avoir là, il va falloir que vous brisez leur protection. Spiritual protection and leur protection spirituelle. Also, they're wise, you know, they're doing things to be like, oh God, please. Vous voyez ça? Je vous laisse écouter très bien pour ceux qui comprennent bien l'anglais. Écoutez ça. So all the girls that want Obi Cubana, huh? You want to date Obi Cubana, the billionaire Obi Cubana. You want him to be yours. You want him to be your sugar daddy. Do you seriously think Obi Cubana doesn't have spiritual protection? I've been telling you guys this for more than 10 years. Rich people like Obi Cubana, billionaires like Obi Cubana, they have spiritual protection. You can't just go and take Obi Cubana and just make him yours just like that. You think he's just sitting around waiting for you to use Jarama products on him? Huh? He's waiting for you to get Jarama products and take him away? No! Obi Cubana has spiritual protection. They all do. I've been telling you guys this for how many years now? All rich billionaires have spiritual protection. So if you want to penetrate them, you have to break the protection, you know, the spiritual protection. And also they're wise, you know, they're doing things to be like, oh God, please. Vous avez entendu ça par vous-même. Elle nous révèle que les hommes riches ou que les milliardaires que vous voyez là ne sont pas des gens simples. Voilà. Elle nous révèle que ces milliardaires ne sont pas des gens sans protection spirituelle. Donc les filles qui viennent, qui veulent les envoûter, qu'elles cherchent à savoir d'abord quelle est leur protection spirituelle et qu'elles brisent cette barrière de protection afin qu'elles puissent les avoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire utiliser les joujoubes, les babatis pour envoûter ce monsieur. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Les fruits de Dieu sont prêts à envoûter les hommes riches pour les avoir. Mais apparemment, ce qu'elles oublient, c'est que les hommes riches ne sont plus simples. Ils ont une protection spirituelle, selon ce que vient de nous dire cette fille que nous venons d'écouter. Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Est-ce que vous pensez que ce sont des histoires? Maintenant, moi, je suis en train de me dire, mais vraiment, c'est grave cette histoire. C'est très grave. Voici ce que les filles d'aujourd'hui sont prêtes à faire pour avoir un homme riche, un homme milliardaire. Qui est... Hein? C'est qu'il faut que je m'accroche bien à Dieu. Ouais. Seigneur Jésus-Christ, pardon. Viens t'asseoir à côté de moi. Viens, viens. En bois, bandit blanc ensemble. Parce que cette affaire-là, où les gens ont voûté n'importe qui là. Faut pas une sorcière là-bas. Va envoyer son paradis ici. Elle est au coin. Elle est au coin. Vous avez entendu ça? Vraiment, les milliardaires. Cette affaire, ça a commencé avec le booter. Cette affaire, ça a commencé avec les Yahoo Boys. Ils ont des gens qui se déguisent en femme pour voûter les hommes riches. Maintenant, regardez où ça est arrivé. Vraiment, ce monde fait peur. Très, très peur. Il faut grave faire attention. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Aïe, aïe, aïe.